Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Le Saviez-Vous version Minecraft. J'ai pris en compte tous vos commentaires des précédents épisodes, j'essaie de m'améliorer à chaque épisode. Je me répète certes, on est parti pour l'épisode 3 et j'espère qu'il va vous plaire. Saviez-vous que si un villageois est frappé par la foudre, il se transformera en une witch? Bon, il y a peu de chances que ça arrive, c'est vrai. Le charbon est capable de cuire 8 items, la lave 100 items, les bâtons de blaze 12 items, une planche ou une bûche peut faire cuire 1,5 items et les saplings ainsi que les outils en bois peuvent faire cuire 0,5 items. Ça peut être important à savoir. Saviez-vous que si de la soul sand, donc le sable des âmes, était placé au-dessus de la glace, elle ralentit encore plus? Les vaches mushrooms peuvent devenir de simples vaches en faisant un clic droit sur celle-ci avec une cisaille. Ainsi, vous récupérerez 5 champignons rouges. Il est possible de forcer un creeper à exploser. Pour cela, prenez un briquet et faites clic droit sur le creeper. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce troisième épisode qui était certes court comme d'habitude, mais je pense que je vous ai appris certaines choses, notamment le fait que la witch, enfin que le villageois se transforme en une witch. Je pense que tout le monde ne le savait pas. Moi-même, je ne le savais pas avant d'avoir fait des recherches sur internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser des petits pouces verts. Si vous avez certaines astuces, n'hésitez pas à me les envoyer par YouTube en message privé, je prends toujours. Bien sûr, je prendrai celles qui valent le coup. Lorsque vous tuez une vache, vous obtiendrez des steaks et du cuir. Non, vous voyez, je veux pas trop ce genre d'astuces. Je préfère des astuces relativement peu connues. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce vert. Bye bye, bisous bisous.